Aujourd'hui, nous vivons un monde totalement décentré. Je l'appelle le monde post-Bandung. La grande conférence de Bandung qui a mis fin au colonialisme sur le plan intellectuel, disons, c'est un peu l'irruption du pluralisme sur la scène de l'histoire, qui n'est plus une scène unique ou un acteur unique. La notion de pluralisme me semble une des notions les plus importantes aujourd'hui, parce que nous vivons une époque où c'est soit l'universalisme abstrait dont on sort, un universalisme où, une région du monde, ou une langue du monde, ou un groupe de langues se définissent comme étant le centre qui organise le reste du monde. Sortant de là, est-ce qu'on a également une simple juxtaposition d'identité fermée sur elle-même, tous les ethnonationalismes et tous les tribalismes que nous voyons aujourd'hui fragmenter notre monde, faire à la fois une vraie globalisation financière, mais une fragmentation totale de l'humain et de l'humaine condition. Et je crois qu'entre les deux, il y a place pour une réflexion sur ce qui serait le pluralisme, qui serait ni le relativisme des ethnonationalismes et des tribalismes, ni l'universalisme abstrait, impérial ou impérialiste, mais cette manière de penser le multiple du monde, le pluriel du monde, sur un fond commun d'universalité.